Oh, wow! Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette 211e VOD Moe Moe avec Virus sur iPod et Mansion Neptune Rebirth 3 V Generation. Et oui, je sais, j'ai coupé mes cheveux, j'ai coupé ma barbe et ça ne nous empêche pas de continuer à jouer. Du coup, on s'était quitté là, il nous reste pas mal d'events à aller voir, notamment un event à Planétune. Donc on va aller voir ça tout de suite. D'ailleurs, il me semble que c'est... Ah, à la Nepa Station! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'event à la Nepa Station. Intéressant. Oh, c'est avec Noad. What the fuck? Salut! Il est temps de retrouver nos news! Pululu et moi continuerons d'être vos hôtes. Ouais, faisons de notre mieux. Tu ne planifies quand même pas de me laisser faire tout le travail, pas vrai? Non. Ah, mon dieu. Au moins, dis les gros titres. Je continuerai à partir de là. Ok, alors... j'ai deux gros titres. Le premier, c'est ça. Planétune va adopter une nouvelle mesure d'unité appelée la NEP. Ou le NEP. C'est-à-dire... Ah d'accord, ok, c'est une unité de hauteur. Donc en fait, il remplace le système métrique. Bah voilà, c'est ça. Planétune va changer du système métrique pour celui basé sur la taille de leur déesse. Une nep est égale à peu près à 146 cm, à 1m46. Donc une personne de 160 cm de haut mesurera 1,1 neps. Pourquoi est-ce que ta nation est si inutile et fait des choses aussi compliquées? Eh bien... ne peut penser que ça serait... a pensé à ça et a dit que ce serait une bonne idée, donc on l'a fait. Elle est sans espoir, mais je suis sûr qu'elle s'en fatiguera vite. Donc les gens de Planétune, soyez patients. Le deuxième gros titre. C'est du Obituary. Ouais, donc on dirait que Deco est décédé. Oh. Deco qui a encouragé Game Industry depuis de longues années s'est éteinte hier matin, dans la matinée. La cause de la mort est... il est dit qu'elle a consommé trop de yaourt aux champignons. Sa cérémonie d'enterrement sera pour ses proches amis et sa famille uniquement. Rest in peace, Deco. Repose en paix, Deco. Ah ouais, alors, pour la petite histoire, Deco, ça représente aussi une autre... il y avait deux petites compagnies qui encourageaient justement ID Factory pour leur jeu, leur licence Neptunia, et qui, depuis la sortie, en fait, malheureusement, n'ont pas réussi finalement à conserver un rythme, qui ont dû fermer depuis, et ça doit être certainement un hommage, je pense, à ces deux industries qui ont dû fermer leurs portes, ou à ces deux compagnies qui ont dû fermer leurs portes durant en fait la sortie du jeu, quoi. Maintenant, tu peux dormir pour toujours. Alors, c'est tout pour le moment. Comment c'était? Est-ce que vous êtes amusé? Bah, pas vraiment, une cérémonie d'enterrement. Quand Noir est dans les parages, elle peut absolument tout faire. Euh,
Tu sais que je ne pourrais pas être derrière ton cul pour toujours, hein. Bon, dépêche-toi de t'habituer à ce genre de choses par toi-même. Ok, ah, elle m'a encore engueulé. Non, je ne t'engueulais pas ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Salut! Ah, encore un event à la Naples Station. Ah bah, why the fuck not, après tout? Ah bah, cette fois-ci, c'est Neptune. Salut tout le monde! Il est encore temps pour le mail order show. Comment dire? Ouais, non, bah, je vais avoir du mal à encore. Parce que World Crush. Oui, en fait, si vous voulez, c'est encore le. C'est encore, si vous voulez, le télé-shopping de Neptune. Voilà. Allez, amusons-nous à consommer des trucs. Allez, avec notre prochaine sélection, nous serons sur la route de la banqueroute dans un rien de temps. Et notre invité spécial aujourd'hui est la personne qui a été votée en tant que la personne la plus populaire par les autres mondes. C'est Noir. Applaudissements obligatoires. Quelle est cette introduction plate? Quelle est cette introduction mais? Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par cet autre monde. Je sais ce que j'ai voulu dire. C'est tout ce qui compte. Allez, dis bonjour aux viewers à la maison, aux téléspectateurs à la maison. Ah oui, c'est vrai. Salut tout le monde, je suis la déesse de la station, Black Arto, aussi connue en tant que Noir. Le produit d'aujourd'hui sera révélé par moi. Le personnage principal de la série. Je vais le présenter, moi. Arrête d'agir de façon désespérée. Tadadam! Parallaxen! Paralysé? Utilisez ça! 24 heures d'appels gratuits. D'accord. Croix, croix, carré, rond et triangle. J'adore le numéro de téléphone. Ça me fait kiffer. Free shipping, ce qui veut dire en gros envoi gratuit, quoi. Enfin, pas de frais de port. Si vous voulez avoir cette parallaxine, si vous voulez vous mettre de la parallaxine sur le corps, allez-y. Non, si vous voulez vous débarrasser de cette paralysie qui engourdit votre corps, soyez confiant de la parallaxine. Vous avez les jambes lourdes, vous êtes paralysé financièrement. Votre réponse à tous vos problèmes peut être trouvée dans une bouteille. Le commentaire sur les jambes est valide, mais qu'est-ce que c'est comment est-ce que ça peut curer la paralysie financière? C'est une condition mentale où... t'as fait de la merde entre la différence entre le prix de vente et sa valeur initiale. Ça te mène à surestimer ton budget, tes contraintes budgétaires, ce qui te met dans les dettes. Est-ce que tu es ignorante? Je ne demandais pas la définition, je vous demandais comment cet item pouvait avoir espoir de curer ce genre de choses. Être paralysé en combat, c'est la merde, donc ça peut être très pratique. Achetez-en un bon paquet pour
pour sauver votre cul. Est-ce que tu viens juste de m'ignorer? Combien cela coûte-t-il? Un lot de 10 juste pour 980 crédits. Et c'est une bonne affaire. C'est pratiquement du vol. Ah, c'est vraiment très cher. Non, c'est pas vraiment. C'est vraiment pas cher. C'est tellement cheap, c'est tellement pas cher que je me demande comment est la qualité du produit. Eh ben, même si cela n'est pas très cher, les gens pourront l'acheter une bouteille par une bouteille dans un magasin normal. Ah, c'est vrai. Je me demandais. De quoi est fait la parallaxine? Jellyfish. C'est des méduses. Vraiment? Et c'est surprenant. Ouais, c'est parce que je l'ai fait. Dans la plupart des jeux, il y a des monstres méduses qui te paralysent. Donc je me suis dit que ça pourrait être l'antidote à cette cause. C'est ridicule. Ne fais pas ce genre de choses à la télé. Hop, pendant que nous étions en train de discuter, le temps s'est écoulé et on est en retard. À la prochaine. Est-ce que je veux en acheter? Bah en soi, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, parce que on a beaucoup d'argent, donc fais péter. Merci pour votre patronage. Ah, est-ce qu'on ne ferait pas encore un petit event à la Nepestation? Allez, le dernier. J'adore regarder la Nepestation. En fait, c'est la télé, mais dans un jeu. Alors, c'est la télé dans un monde parallèle d'un jeu. Oui, c'est... voilà, compliqué. Ah ouais, c'est le quiz millionnaire. C'est encore l'heure du quiz millionnaire. C'est un programme facile où tu peux avoir des trucs en répondant juste à des questions. Hé, hey, Neptune, est-ce que je peux lire le quiz, les questions du quiz cette fois-ci? Ah, le quiz pourrait être assez challenging, assez. Ça pourrait être un challenge d'une autre façon si tu fais ça. Donc, je vais devoir dire non pour cette fois. Bouh! Ah, le quiz d'aujourd'hui portera sur toutes les choses, enfin, ouais, beaucoup, enfin, autour des choses de noir. Allons-y. Quelles les features totalement innovatives du jeu que Noir a appris à Peloulou et moi-même? Alors le scoot system, le combo setup, costume canva. Alors le scoot system, je pense pas que ce soit noir. Ah, je ne sais plus. Ah, peut-être le chat a la réponse. Bon, le chat ne semble pas réveillé. Je sais pas, le combo setup?
Ça m'étonnerait parce que c'est pas totalement innovant. Bah, disons le costume canva. C'est pas très grave si on se plante. Eh non. Seconde question. Que fait Noir avec ses citoyens quand ses citoyens l'appellent pour n'importe quelle raison? Bah non, comment les citoyens de Noir l'appellent-ils dans n'importe quelle situation? Bah, Blackheart. Bah oui, forcément. Ouais, on a reçu des items. Troisième question. Quel est le nom de la nation que Noir préside? Ah, là par contre, faut pas me prendre pour un con. La station. Attention, parce que le dernier, c'est la station. La station. Et c'est pas du tout ça. Ouais. C'est fini. Comment c'était? Est-ce que tu as eu un item? C'est tout pour maintenant. Oh, et cette émission est tellement courte. Eh bien, a été plutôt clair qu'on ne pouvait pas, empiéter sur avec celle-ci. Et ceci dit, on vous verra la prochaine fois. À la prochaine, Baini. Et bien sûr, quand je dis Baini, certains d'entre vous doivent avoir une certaine référence en tête. Voilà. N'hésitez pas justement à commenter hein, dans le chat ou même là sur YouTube hein, en me disant à quoi je fais référence quand je dis Baini. Cependant, j'enregistre. Je vous dis donc à la prochaine. Ce fut une petite VOD tranquille, bien sympathique. Et je vais donc vous faire des bisous, vous dire à la prochaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si cela vous plaît. N'hésitez pas non plus de laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sais-je encore. Je vous dis à la prochaine et surtout hashtag amour viril. Oh yeah.